Salut à tous, c'est Lokenil, on se retrouve pour ce nouvel épisode de ma série sur Chrono Trigger. Alors normalement c'est l'épisode 30 ou 31, je sais plus. On est toujours contre la Vos, hein, toujours. Mais par contre, il y a des chances de mourir. Hein. Si, Magus, il y a des chances de mourir. J'ai regardé un peu sur internet si c'était vraiment la fin ou pas. Quand on nous a remis l'œuf. Non, je me suis trompé de bouton. Pour changer. Normalement, qui est tout en bas. Non ? Bizarre. Peut-être qu'il... Ah si, voilà. Quand on nous a remis le Chrono Trigger, qui est l'origine du nom du jeu, en fait, on avait plusieurs choix de quêtes à faire, en fait, avant d'affronter la boss. Je les ai pas faites, simplement, parce que je savais pas. Comme d'hab, je vais morfler. Oh non, c'est pourri leur truc. Alors, je ne sais même plus. Triple coup, sur eux. Magus, brouillard. C'est vrai que Magus, il n'a pas de... T'attaques le même avec ténèbres. Hein. Frog. Non, pas grenouille. Bon, fatal. Attends, je me suis trompé. Pour changer. Ah, ils ont pas beaucoup de vie en fait. Bizarre. Donc. J'espère que vous, ça va depuis, hein. Ça fait quand même un bail. J'ai pas arrêté de faire des vidéos entre temps, mais c'était pas du Chrono Trigger. Si vous voulez une raison, c'est tout simplement que y a des périodes où j'ai vraiment envie d'y jouer, et des périodes où j'ai moins envie d'y jouer. Donc là, même si on approche à grands pas de la fin, je sais pas, il y avait un petit moment de flottement où j'avais pas vraiment envie d'y jouer. Donc j'y ai pas joué, et puis voilà quoi, j'allais pas faire de vidéo en me forçant. Parce que c'est. Non. Non, j'allais pas faire de vidéo en me forçant, quoi. Enfin bon, après, voilà. Comme vous avez vu, donc j'ai fini Tomb Raider, qui est pas mal, sauf que je trouve la fin pourrie. Non, pour être clair, la fin, je la trouve bidon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus? Sinon, il est bien. Hein. Donc après, Saints Row 4. J'ai fait un peu une petite vidéo dessus aussi. Pareil, je l'ai fini. La fin casse pas des briques non plus. Hein. Ténèbres, hein, toujours. Voilà. Dark Souls, franchement, j'ai connu grâce au Railbiop et Cœur de Vandal là, qui font 88 miles à l'heure. C'était un épisode de Speed Game en fait. Oui, et en fait, j'ai trouvé ça vachement bien. Et je le connaissais, mais pas du tout. Donc ça a été une grosse surprise. Je l'ai acheté, mais sauf que le. Comment dire, j'adore le jeu, sauf que l'ambiance me fait complètement flipper quoi, c'est surtout la peur de perdre ce qu'on a, enfin toutes les âmes, parce que ça fonctionne avec un des systèmes d'âmes, hein, pour ceux qui connaissent pas, en même temps j'ai rien dit dans la vidéo, mais... si vous voulez, on fait tout avec les âmes, on augmente de niveau avec les âmes, on achète des trucs avec les âmes et tout ça, et...
Et le fait de tout perdre, à chaque fois, c'est chiant. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ah! Peut-être la forme finale. Ce qui serait un petit peu con. Parce que... Tout simplement parce qu'on n'a pas chrono. Donc est-ce qu'on peut finir le jeu sans chrono? Et je me suis encore trompé de touche. Là, ce serait pas... Enfin... Ce serait bizarre quand même. Hein. Finir le jeu sans le héros. Ouais, après j'ai rien d'autre. Hein. On va continuer. De toute façon, c'est pas comme si on avait le choix. Ok. Donc, on va faire ça. On va faire ça. Déjà pour voir. Ok, donc 400, c'est largement suffisant pour restaurer. C'est con que Magus n'a pas de sort de soin. Coup d'ino, non, coup de pied non plus. Bah. J'ai de pire, ça fait quoi déjà? On va voir. D'accord. Zone chaotique. Il n'y avait pas un truc comme quoi il soignait, restaurant. Non, c'est pas lui qui avait. C'est peut-être Ayla alors. Qui a un sort pour soigner tout le monde d'un coup. C'est sûrement Ayla. Donc j'en étais où? Ah oui, Dark Souls. Donc oui, en fait, franchement, on a peur à chaque fois de... Merde. Faut un truc pour la soigner. C'est le remède, non? Antidote, peut-être? Non. Allez, vas-y, on va essayer. Oula, Magus qui a pas beaucoup de vie, là. Du coup, Dark Souls est un très bon jeu. Et attends, juste. Donc c'est pas elle, bah c'est qui alors qui peut. Merde alors. Allez hop, soigne tout le monde et Magus t'attaque. C'est un très bon jeu, le 2 est déjà une démo qui est sortie. Enfin, c'est une démo. C'est un peu bizarre, ils l'ont fermé, je crois, mais. Enfin, tout ce qui est en rapport avec le jeu est un peu bizarre en même temps. Alors. Merde. Dommage cette attaque. Ouais, donc voilà, Dark Souls. Après, est-ce que j'ai joué un autre jeu? J'ai rejoué un peu à Terraria. Mais sans plus. Wind Waker. Mais bon, à chaque fois, le fait que le jeu bug... Ah, c'est ça, c'est juste ça. Le fait que le jeu bug des fois... en passant d'une cinématique à... Enfin, une cinématique... Ouais, si on va dire ça, d'une cinématique au jeu, en fait, c'est relou. C'est vraiment chiant. Mais bon, voilà, quoi. Après, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah, ok, c'est ça qui fait mal. Bah, Ayla va le soigner, tiens. Ouais, que dire d'autre? Je pourrais raconter ma vie et dire que je fais des musiques Disney avec mon violon. Oh! Qu'est-ce qui se passe?
Ah! On l'a décapité! Est-ce la fin? Sa coque de Lavos intérieur fort. Oula! Nous irons au bout, Lavos. Oula, oula, oula. Oula, oh! Carrément un passage. C'est lugubre, pire que chez Magus. Lol. Hein? Lavos s'en tire, plus fort! Aucun retour dorénavant. Oh, cette ambiance. Alors déjà. Non. Encore trompé de bouton, punaise. Oh, 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 oh. Rien que ça, la bataille finale. Ah. Bon, je pense pouvoir dire qu'on est proche de la fin. Hein, bien sûr. Alors, est-ce qu'on le voit sans l'affronter? Ou est-ce que c'est un changement de zone et c'est tout scripté? Ouais. Bon, on verra pas ça maintenant. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas chrono. Hein, déjà. Moi, je veux chrono. Magus est bien, mais je veux chrono. Même ça, il y a le... Ça a pris plus de temps que prévu, je crois. Alors, non, pas besoin de passer par là. Alors, il faut qu'on aille. Non. Ouais. Il faut qu'on retourne là où il y avait Balthazar, je crois. Celui qui a construit Époque. Époque qu'on a renommé Épique. Faut pas confondre Épique Époque. On peut l'appeler... si, on peut l'appeler Epic Epoch en fait. Voilà, on sort par là. Par contre, je n'ai aucune idée d'où est-ce qu'il était. Sûrement pas dans l'usine là. Ce qui veut dire. Oh non! Oh non, non, non! Voilà. Bon, faut se les taper, mais au moins là, pas la course à faire. Oh, quoique si on pourrait faire la course, tu vois. Pourquoi pas? Ah bah non, il n'y a pas chrono, je suis con. Il veut juste faire avec chrono. Les ténèbres. Ah merde, ça fait que sur une personne. Hop, coup d'ino, puis ça s'envoie. Bim, ça fait très mal, tiens. Oui, aussi, je me suis pris Super Mario Sunshine sur GameCube. Oula. Il était à 15€. Je me suis dit, tiens, vas-y, j'ai pas de jeu GameCube, mais j'ai une GameCube. Donc, oui, je l'ai trouvé en brocante, il y avait pas de jeu. Tant pis. C'est une GameCube blanche, d'ailleurs. C'est, j'en avais jamais vu. Et tiens, il y a un coffre en bas. Oh merde. Credi. Bigre diantre, je crois gagneux. Oh non, pas grenouille, ça va rien faire. Ah bah là, ça va tous les toucher. Nickel. Ah non, sauf un. Ils aiment pas, hein. Que ça va faire qu'à 1, ouais, moi aussi. Évidemment. Est-ce que c'est carrément les attaques physiques? Ou est-ce que c'est juste... Ouais, non, c'est les attaques physiques. Et alors... Donc oui, j'ai vu qu'il y avait quelques quêtes à faire avant. Donc justement, qui nous permettraient d'augmenter le niveau de nos personnages. Et Oh mais c'est... J'en ai marre maintenant. Donc, on a eu un cahier. Que ça va nous servir, un cahier. Objet, enregistre les scores de moto. Oh, c'est super utile.
Non, j'ai dit à Magus d'attaquer. Où est-ce que j'en étais? Je perds le fil de mes pensées. En même temps, il n'est pas très bien épais. Là. Oui, donc une GameCube blanche. J'avais trouvé un vide-grenier pour pas très cher. Donc, du coup, bah, j'en ai profité. Hein. Et j'avais pas de jeu. Juste les câbles et une manette. Pareil, j'ai trouvé une Nintendo 64. Ah non, il y a deux manettes GameCube. Mais une seule manette Nintendo 64. Et le joystick d'ailleurs est vraiment bidon. Hein. Il faudrait que je trouve un truc pour le réparer parce que sinon ça va pas le faire. Alors. Accès à l'égout, non, je doute que ce soit par là. Est-ce que. C'est avec les survivants. Ah bon, on va juste se soigner. Et hop, laissez-moi. Oui. Voilà. Et on a encore faim, je sais. Alors. Et donc sur la Nintendo 64, j'ai pris, il y avait en plus bah Mario 64. Donc j'avoue j'ai pas essayé de mettre ça sur mon écran plat, mais ah. Par contre, est-ce qu'en passant par les égouts, on arrive au truc avec justement là où il y a le gars qui nous a bah, donné quoi, Epic. Je sais pas. Ce serait bien que ce soit là. Ah, tourne. Dôme gardien. Je ne sais pas, peut-être. Merde. Je veux dire que j'ai pris une passerelle qui ne mène à rien. Ah oui. Pendentif réagit, je sais. Ouais, c'est par là normalement. J'ai des yeux. Alors, sur le pic de la mort, donc el pic de la muerte. Vous trouverez le pouvoir de restaurer la vie, mais pour activer ce pouvoir, le défunt doit être important dans le continuum espace-temps, et vous devez avoir un clone identique à cette personne. Hein? Seulement alors un chrono trigger peut faire fonctionner cette magie. Besoin d'un clone, le magicien Ernst Beckler pourrait vous le préparer assez rapidement. Festival et... Ok. Qu'un festival... Bien sûr, on voit tous de quoi il s'agit. C'est bien sûr la fête millénaire. Oui, je voulais pas faire un truc à la con. Genre ceux qui prient la statue là, mais. Donc là, c'est le pic de la moelleté. On peut pas y aller parce qu'il y a trop de vent. Donc par contre, où est notre vaisseau? Et ça c'est pas drôle, parce que je n'en ai aucune idée. Je crois qu'on en a plus en plus. Il me semble. Non, parce qu'on est arrivé d'où? À droite. Ouais, oh putain. Pardon pour les grossièretés bien sûr, mais... On peut pas la prendre pour... Je
Je suis RXXR, huître, j'enregistre. Oh. Bon bah c'est reparti hein. Je pense que je vais vous couper ça. Hop, voilà. Ça, le combat est fini. N'empêche que ça fait du bien de revoir Chrono Trigger. Les musiques m'avaient un peu manqué. Donc, je dois vous dire aussi que j'ai pris l'OST de Chrono Trigger. Mais je me suis pas spoilé la musique finale. Tout simplement parce que je suis pas de ce genre-là. Hein. Pour moi, la musique d'un boss final, faut la connaître en combat, pas avant. Ou sinon, c'est vraiment un jeu qui est connu et qu'on n'a pas vraiment envie de faire. Hein. Est-ce que j'ai un exemple ? Je pense pas avoir d'exemple. Parce que Final Fantasy IX, bah, je l'ai fini. Non, je crois pas avoir d'exemple. Si ce n'est peut-être les musiques du Castlevania, mais... Ouais, non, ça doit être les seuls trucs. Parce que Castlevania, autant j'aime bien regarder, mais j'aime pas y jouer. C'est bizarre. D'ailleurs, en parlant de Castlevania, j'ai... récemment téléchargé illégalement pour le moment parce que le jeu me plaît bien donc je compte bien le prendre quand il sera en promo. C'est Rogue Legacy. Alors je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est vraiment un jeu qui l'est bien. C'est aussi un peu comme un des Castlevania récents en fait. Je n'ai aucun nom en tête, bien sûr, parce que je m'y connais pas beaucoup en Castlevania non plus. Mais c'est plutôt sympa. Alors là, je vais me taire parce qu'il faut choisir le bon truc. Non, c'est un petit peu trop loin. Canon de truc, non. Village Medina. Est-ce que c'est l'île des terrestres? Square de l'île, voilà. Que disais-je? Oui, Rogue Legacy. C'est un jeu plutôt addictif, hein, autant le dire clairement. Alors, quelqu'un qui a une tête de magicien. Non. Où est mon chat? J'ai bien une idée, mais c'est un peu dégueulasse. Oh, je connaissais pas ça. Coco. Rythme jurassique. D'accord. Ok. Comme c'est charmant. Bah oui, bien sûr. Très bon rythme. X, Y, L et R. D'accord. Ah bah L et R ça fait rien. Voilà. Magus qui danse. On peut pas voir ça tous les jours. Alors. Ladidadida. M'a donné de l'argent, bah tant mieux pour toi. Eh, ça rime en plus. Alors. Donc, ouais, ok, donc là, il n'y a rien qui a l'air d'un magicien, toi. Ils sont partis dans l'entrepôt, ouais, non. Oui, je connais le dernier ragot, toi. J'ai 5 points. Oh oh. Qu'est-ce qu'il y a à gauche? Toi, t'as juste l'air d'un geek, pas le temps de parler, je suis ici pour déjeuner. Miaou. Connais, je vais prendre le robot de combat de Lucas, collègue de poste, tu gagnes. Oh. Oh.
Gâteau, je suis entraîneur robot, si tu veux. Bah allez, vas-y. Je sens qu'il va prendre cher. Fin. Ok. One shot. Très bien joué, tu as gagné. Voilà 15 points. C'est cool, hein? Merci. Donc, aucune trace de magicien. Pourtant, on est à une fête, quoi. Enfin, festival. C'est étrange. Peut-être plus bas. Toi, tu as gagné une guerre contre un sorcier il y a longtemps. Oui, c'est moi le sorcier. J'ai entendu dire que la princesse avait encore fugué. Oui, mais non. Du coup, c'est parti. Regardez, attendez. C'est le cornier, l'unique, celui qui entend la cloche de ligne en rendant une vie heureuse et intéressante. Wow. Bienvenue à la fête millénaire, amusez-vous bien. D'accord, oui, t'es qui toi? Cœur de ciel veut tenter quelque chose. Le fameux stand des horreurs, on est pour les 20 points ici, accord parental souhaitable. J'ai bien envie d'y faire un tour, tiens. Quoi, s'occuper courir, ne te parlons pas. Ah, face à la cloche, le moins possible, puis encore sur A. Quoi? Oui, alors? D'accord. Toi, beaucoup souffert dans la guerre, réussi. Heureusement, quelque chose. Et maintenant, ok. Est-ce que le vieux serait pas en train de courir par hasard? Ils sont plus en train de courir. Merde. C'est de la course, c'est de la marche rapide, c'est ça? Un truc qui défonce les mollets. Prems, Prems, Prems. Saloperie. Ah, c'est bon, c'est fini. Tiens, le chat, il... Quoi, d'acier, tu devines? Le vainqueur, ouais, allez, vas-y. Coureur d'acier. Allez, coureur d'acier, je te fais confiance. Bon, allez, je m'en fous. Ah non! Voilà, j'avais envie de voir ça. Oh! Bienvenue chez. Ah! Nordenstein Beckler, le show va commencer. Vas-y, fais voir. Alors, vous voulez un clone de chrono? Je le fais rarement ça, mais aujourd'hui, je vais faire une exception. Vendez-moi et je vous le donnerai. Plus longtemps vous resterez en jeu, moins cher sera mon prix. Je relève le défi. C'est l'heure du duel. J'ai pas assez de points. Comment ça? Saloperie! Est-ce que je peux retaper le robot? Ce serait marrant. Non, c'est en haut. Ouais, non, tant pis. Je vais voir pour retaper le robot. Hein. Gâteau, il s'appelle le robot. Allez. Donne-moi tes points. Ça, c'est fait. Voilà, 15 points, c'était cool, hein. Je sais. Merci. Voilà, maintenant j'ai 30 points, donc j'en ai 10 de plus que ce qu'il faut. Hop là, on va se dépêcher d'y aller. Je vois que la vidéo fait plus d'une demi-heure maintenant. Non, c'était à droite. Voilà, et donc, on va se laisser ici. Et oui, donc on sait qu'on est au bon endroit déjà. On sait qu'on peut finir aussi le jeu sans chrono, mais je n'ai absolument pas envie de le faire. Donc, on va faire la quête pour chrono, peut-être d'autres, je sais pas. Donc d'ici le prochain épisode, portez-vous bien. À la prochaine, et salut !